Si, c'est recyclable. T'es mauvaise langue. J'en étais sûre. Ah bah attends, chacun son tour. Donc oui, Lénore, c'était grave. Et bonjour. Enfin, le mois de juillet, là. Donc, toujours plus. Bonjour. T'as une voix très aiguë aujourd'hui. Ici, hein. J'ai pas dit que c'était... T'avais une voix d'homme, j'ai dit que j'avais une voix... Bah superbe voix de femme en mode soprano plus plus. J'espère que vous allez bien. Nous sommes là pour vous montrer nos courses. J'ai fait les courses hier. Donc aujourd'hui, nous sommes samedi. C'est le week-end. Dans 3 heures, nous avons 6 petites filles qui viennent fêter l'anniversaire de Calinette. Non, non, t'as pas des sextuplés. Non, non, non. Ah non, 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 c'est pas tous mes enfants. Puis ça serait rapide. Non, 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 non. C'est les copines de Cali qui arrivent à 14 heures pour fêter son anniversaire. Donc on s'est dit, on va se bouger un petit peu pour le retour de course, manger, etc., etc. Faut qu'à 13h30, tout soit nickel et opérationnel pour les copines. Et ça va le faire. Et tu vas prendre les devants. Et ta robe. Ah oui, ma robe. Promode. Chouette. Collection de cette année qui était en solde pendant les soldes d'été là. Je l'adore, je l'ai en 4 couleurs. Je l'ai essayé, mais ça, sur moi c'est... Non, je l'ai en plusieurs couleurs, elle est trop trop belle, elle est en double gaze de coton, vous avez des petits liserés dorés et tout, elle est magnifique. Et vous savez que j'adore ce vert, donc voilà. Et sinon les chiens mouillés, les cheveux style chien mouillé, c'est parce que je suis en train de faire mes boucles. Voilà, comme c'est un petit peu la course ce matin, j'avais pas le temps de faire sécher mes cheveux. T'as un problème avec les chiens mouillés? Pour une fois, j'ai rien dit. Non, mais t'as rigolé. Est-ce qu'on aura un petit rictus dans ce vlog? Dans ce retour de course, pardon. Toi aussi, t'es perdu. Rictus. Je vais essayer de lui faire sortir un rictus à chaque retour de course. Oui, ben, si à chaque fois on parle de bouliche depuis 5 minutes. Ah non, mais il n'y a pas de bouliche aujourd'hui. D'ailleurs, tu les as goûtées, tes bouliches? Pardon? Non, t'as pas encore mangé les spaghettis bouliche? Non, je crois pas. Bah non. Si un soir tu t'es tapé une bouliche. Ah non, pas vraiment. Non. Quand j'étais pas là. Non, le mec, il se tape des bouliches quand je suis pas là quand même. Je suis plus de sucré que de salé. Bref, bon, allez, c'est pas le sujet, les bouliches, on va pas commencer avec ça. Moins de 3 minutes et on parle déjà de bouliches. C'est pas mal. Retour de course. J'y suis allée hier. Donc hier, nous étions vendredi. On y allait avec Romy, toutes les deux, puisque Doudou était en fixe au télétravail et les filles étaient à l'école. J'en ai eu pour 180 € cette semaine, mais j'ai pris pas mal de boissons parce qu'on fête deux anniversaires, donc samedi et dimanche. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui ne rentrent pas en compte forcément dans les courses de la semaine pour nous. Mais voilà, il y a un petit peu de plus, donc je dirais environ 50 € pour les anniversaires de Cali. Je dis les anniversaires puisque aujourd'hui samedi, il y en a avec ses copines, et demain on a la famille qui vient à la maison. On est parti? Donc on est parti, let's go. Alors niveau viande cette semaine, j'ai pris des bréchets. Je passe dans le rayon boucherie et je vois les bréchets. Oui, c'est pas donné. Non, non, j'ai cru que c'était 34, c'est vrai, j'ai oula. Non. Bah si, c'est pas donné quand même. C'est pas donné, mais c'est... Oui. 22 € le kilo ouais. Pour un petit morceau de bréchet. Bah 22 le jour de 19. Alors après, le bréchet, je crois qu'il y en a deux par poulet. Le poulet. Donc, les bréchets, qu'est-ce que c'est? Les bréchets, ou appelés grenouilles du pauvre, vous savez, c'est l'os... C'est le Y. Non, c'est le... Oui, je faisais le bréchet, c'est le Y. Exactement. C'est ça. Oui, oui. C'est le Y. Vous savez, quand vous mangez le poulet et vous tirez l'os... C'est quoi ça? On dirait rien. Bah je sais qui est, tiens, au-dessus. Pourquoi tu faisais du boudin? Parce que je te montrais, tu mets du bout. Bah oui, j'essayais d'expliquer. Il est très beau ton Y, mais j'essayais d'expliquer c'était quoi le morceau du bréchet du poulet. Oui, donc c'est le morceau, c'est l'os. Vous savez que vous tirez pour porter. Enfin, celui qui a le plus gros morceau, il fait un vœu. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Et nous,
Alors, je dis nous, puisque, alors toi, t'es pas de la Bresse, mais ma grand-mère est de la Bresse. Et en fait, on appelle ça, le bréchet, c'est la grenouille du pauvre. Puisque je crois que c'est moins cher que les grenouilles. Et en fait, tu le fais exactement comme les grenouilles avec une persillade. Alors, ma grand-mère, elle l'enrobe dans la farine pour qu'il y ait une petite couche. Et elle fait ça avec une persillade, persil, ail et tout. Et c'est très, très bon. Voilà, donc on va faire ça à midi. Et en fait, donc je vous explique, je passe au rayon boucherie, je vois les bréchets, j'ai fait non. Parce que ça, on n'en trouve que dans l'Ain. Une période précise, non ? Non, même pas. Non, même pas. C'est que j'en avais jamais vu avant sur Lyon, quoi. Ça se trouve, alors, quand tu vas dans la Bresse, t'en vois partout. Mais là, franchement, quand je les ai vus, j'ai fait ok, je vais en prendre. Vous êtes un test local. Donc j'en ai pris une petite quinzaine, vingtaine à peu près. Donc il y a 600 grammes. Bon, c'est 23 euros le kilo, hein. Donc bon, c'est pas donné, mais voilà, de temps en temps, pourquoi pas. Je trouvais ça pas déconnant quand tu vois le jambon qui est à 19. Oui, mais... Bon, bah peut-être moins à manger, il y a les os et tout, là. Voilà, c'est ça, et puis il y a moins à manger quand même, donc bon. Donc voilà, donc ça va être fait à midi, on va faire ça avec des pommes de terre sautées, ça sera très très bien, et une petite salade. Ensuite, j'ai pris de la viande, attends, pour faire du bœuf bourguignon. Cette semaine, je vais faire un bœuf bourguignon. Donc, je vais le faire au cookéo. Je vais le faire cuire plusieurs fois pour que la viande soit très, très bonne. Là, franchement, j'ai pris des morceaux de viande où il n'y a pas beaucoup de gras. Alors, je vais enlever tout ce qui est gras, hein, puisque ben, moi, j'aime pas forcément. Je préfère passer un petit peu de temps à couper le gras. Qu'est-ce qu'il y a ? Le gras, c'est la vie, hein. Non, mais là, si c'est pour mâcher pendant 20 minutes et t'arrives pas à le mâcher. Ah, ben il y a le gras. Voilà, il y a le gras et le gras. Là, t'as des bons morceaux quand même, tu vois. Ouais, ouais, touche-le, tu sentiras que là, vaut mieux l'enlever. Ah, ouais, là, grave. Tu vois. On dirait du lard, tu sais. Tu sais, le gras du lard. Mais tu sais, quand tu tombes sur un gros morceau de viande et il y a un gros morceau de gras, moi, mon papa, il m'a bien appris qu'il faut bien le couper comme la blanquette. Voilà, je vais prendre le temps, ça va peut-être me prendre 10 minutes de plus pour enlever les gros morceaux de gras, mais je vais le faire. Ensuite, j'ai pris donc des émincés de jambon, j'ai pris de la viande hachée, émincés de jambon pour faire des petites pizzas cette semaine, de la viande hachée, ça c'est pour faire des crêpes, des tortillas avec donc un mélange de viande hachée, oignon et du cheddar, tu te rappelles ? La crêpe est pliée en deux, donc c'est des wraps là. Habituellement je les prenais plus petites, mais ils ne les font plus les plus petites. Je pense que c'était pas rentable pour eux. Donc là l'idée c'est de prendre la crêpe, tu viens mettre sur la moitié de la crêpe ta viande, donc ta préparation de viande hachée, oignon, cheddar, tomate coupée en dés. Tu replies et en fait le cheddar va fondre et ça va coller la crêpe. Et tu manges ça avec du guacamole, une petite salade verte. C'est... Tu prends la recette là. C'est trop trop bon. C'est vraiment trop trop bon. Hein, c'est trop trop bon. Non, mais c'est trop bon. Vraiment, c'est super bon. Les filles, elles adorent ça. J'assaisonne la viande pour qu'elle soit un petit peu assaisonnée, mais pas trop, pour que ce soit pas piquant pour elles. Et franchement, c'est super bon. Là, je suis passée du sec au frais, mais bon, c'est pas grave. J'ai repris des allumettes de bacon Monique Ranou. Ça, j'en ai tout le temps, vous le savez, j'en prends systématiquement toutes les semaines, puisque quand on fait une préparation, alors si tu veux faire une soupe de courgettes et tu veux mettre des petits lardons sur le dessus, c'est parfait. Si tu veux faire une salade mâche avec des œufs et tu mets des petits bacon revenus à la poêle, c'est trop bon. Voilà, donc j'en ai toujours dans le frigo. En plus, généralement, la date, ça va super loin, donc il n'y a pas de souci, je les consomme. J'ai acheté du saumon fumé, il était en date courte. Alors, quand j'ai fait les courses hier, nous étions le 23, là c'est le 24. Je vais les consommer ce soir avec l'apéro dînatoire. J'ai regardé exprès la date et tout, je me suis dit c'est bon, l'apéro c'est samedi. Tu filmes pas ? Oui, je vais filmer l'apéro dînatoire. Vous avez été énormément à me demander des idées pour l'apéro. Donc ce soir, je vous filme l'apéro dînatoire. Alors moi je m'organise aussi, parce que je fais des trucs comme ça. On lance le retour de course lundi. Ouais. Cet apéro ordinatoire, il va être publié quand ? Mercredi. Ah, c'est pas grave, c'est après. Ok, oui. Vous suivez. Vous suivez nous. Parce que je pourrais pas mettre le lien là. Ça sera après. Alors en fait, j'en ai parlé dans le vlog et beaucoup sont intéressés par le mercredi pour la vidéo qui sort. Ah oui. Parce qu'en fait, je me dis, comme généralement les apéros ordinatoires, quand on les fait en famille ou entre amis, c'est souvent le week-end. Genre soit le vendredi, soit le samedi. Je me dis que si la vidéo sort le mercredi, vous avez le temps d'aller faire les courses pour faire vos petites... voilà. Donc, le saumon fumé, je l'utiliserai ce soir et je vais l'utiliser
sous normalement deux façons. Ensuite, j'ai repris des danettes. Il y avait une promo sur les danettes. Le deuxième à moins 68%. Donc, comme vous avez vu, Doudou planquait les chocolats. Moins 68%. Oui, moins 68%. Il s'amuse quand même. Depuis la loi Egalim, ça devient n'importe quoi. Je sais pas qui c'est qui. En fait, c'est de dire que tu peux pas dépasser un certain montant. C'est de dire que tu es censé. À un moment donné, vous avez vu des promos qui étaient passés à moins 34%, beaucoup. Oui, il y a toujours un inter. Inter, c'est moins. C'est 34. Et c'est parce qu'il y a une loi qui est passée là-dessus pour éviter justement de faire perdre trop d'argent. Tout ce qui est producteur, tout ça. Bref, c'est. Que nous on paye plus. Bref, donc là il y avait une promo sur les danettes. J'ai repris chocolat normal et chocolat noir, extra noir. Pour faire toute la semaine. Je pense que la semaine prochaine, je ferai les crèmes dessert et je referai les yaourts. Voilà, parce que ça fait un petit moment qu'on mange des yaourts tout faits. Alors après, ça ne me pose pas du tout de problème. Hein. Ils sont très bons, il n'y a pas de problème. Mais voilà, de temps en temps, revenir au fait maison. Il n'y a pas de grec. Non, je t'ai dit, les grecs, ils ne sont pas donnés quand même. Ah, t'as regardé. Ah ouais, ils sont pas donnés. Quand t'achètes un paquet de... Oui, ils sont bons. Mais alors ça aussi, c'est de temps en temps. Mais quand t'achètes un paquet de yaourts sucrés, tu le payes 1,60€ les 16. Et quand tu vas payer presque 4€ les 12 yaourts à la grecque... Ah, ça fait mal aux fesses. Ah ouais, non. Voilà, il y a une grande différence quand même. Après, ils sont très bons, mais de temps en temps. Les sucrés, c'est sucré, sucre de canne, vous savez, les yaourts. Ouais. J'en ai pas repris parce que la semaine dernière, j'en avais acheté un paquet de... Il y en avait pas mal dedans et il nous en restait pas mal, donc j'en ai pas repris. J'ai repris du beurre, donc le Elevir. Ouais, il n'y avait pas de Fleurier. Qu'est-ce qu'il fout? Je sais pas. Il y avait l'étiquette, mais il n'y en avait plus. Bah, tout le monde achète le Fleurier, il est tellement bon. Moi aussi, j'ai un retour de stock, t'as vu? Non, toi, t'es unique. On le sait. Mais c'est gentil ce que je viens de te dire. Ah, mais unique, mais il n'y a que toi qui m'a. T'as... Pourquoi j'arrive pas à parler aujourd'hui? Tu vas. Non, je sais pourquoi. Parce que tu m'as perturbé dès le début de ce retour de course et je m'attends toutes les deux minutes à ce que tu me sortes. Ton vieux, tu sors de bouliche. Du coup, je me. Le mec est perturbé par les bouliches, tout va bien. Donc, ensuite, j'ai acheté des plaquettes de beurre. Mais je te remercie, mon ami. Pourquoi j'ai acheté du beurre? C'est. Merci, mon chat. Pourquoi j'ai acheté du beurre? Puisque demain, anniversaire de Cali, j'ai pas mal de petites préparations, petits gâteaux à faire. Donc, il me fallait du beurre pour faire tout ça. Je suis sûr que tu fais exprès en plus. De quoi? De plus prendre la Belle des Prés. Plus que je te fasse la petite... Ah non, pas du tout. Non. Alors déjà, oui, pour plus que tu me fasses la petite réflexion, ça c'est vrai. Tu es un mon fleuri. C'est pas mieux. Non. Mais surtout frigo, parce que le beurre mon fleuri est moins cher que la Belle des Prés. Alors, vous allez me dire, oui, mais la Belle des Prés, c'est pâturage, donc tu as 10% avec la carte. Oui, mais j'ai calculé et ça vaut pas forcément plus le coup. Ensuite, j'ai pris des fromages blancs, donc saveur vanille et nature. Hop, pâturage. C'est mon carton. Non, mais alors, attends. On va reparler de tout ça ou pas? Pourquoi? Non, parce qu'à chaque fois, on en parle pendant 10 minutes. Non, pas du tout. Il faut enlever les cartons, déjà au niveau de la fraîcheur, mais il y en a beaucoup qui m'ont dit... Aussi au niveau de tout ce qui est hygiène. Parce que le carton, il a été posé n'importe où, etc. etc. Et puis en plus, alors le carton, l'humidité, c'est pas le pied. Le carton n'emballe pas tous les yaourts, on est d'accord qu'ici, voilà. Mais le carton, il prend toute l'humidité. Un frigo, c'est très humide. C'est comme un hammam, mais version froid. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est bruyant. Donc, moi, j'enlève les cartons. J'ai pris donc vanille et nature. On n'est pas derrière vous, fait ça. Oui, les gens font comme ils veulent. Fromage blanc nature. Attention, hein, on va taper à votre porte, on va aller vous voir si vous laissez le carton. Nature, je vais y arriver ou pas? Bon, on fera des beaux mythes comme ça, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a? Nature et vanille. Ah, bah enfin, tu finis ta phrase, t'as eu mis le temps. Hein. Taper. Ah non, personne ne se fera taper dans ce retour de... Ensuite, j'ai repris des compotes et pommes, frais, mangue et Charlie et Alice cerises. Donc, cerises, je les adore, il y a des petits morceaux de cerises. Oui. Non. Et mangue. Vomi de bébé. Non. Hashtag vomi de bébé. Donc ça, c'est moi. Hein. Généralement, il n'y a que moi qui les mange, les Charlie et Alice. Les filles, c'est soit elles prennent de la compote en gourde, soit elles prennent les petites paquitos, là, comme ça. Elles sont vraiment très, très bonnes, les paquitos. Bon, ouais, par contre... À chaque fois, je me fais avoir, puisque je prends le carton et là, t'en as trois qui se sauvent avant de passer en caisse. Ça me saoule. Ils n'ont pas fixé correctement les trucs. Côtés. Regarde, hier, je l'ai pété en caisse. Bah, bravo. Comment je fais maintenant pour ranger? Oh, punaise.
Qui c'est qui range un frigo? Bah c'est moi. Toi t'es pas là, mais comme t'es là tout le temps, quand c'est t'es toi. T'es pas là, moi, ni ni nani. On a les spectateurs. Ensuite, j'ai repris des petits Suisses puisque les filles, elles ont kiffé la semaine dernière les petits Suisses remboursés par Shopnium. Donc, je me suis dit, allez, de temps en temps, je reprends les petits Suisses. Les pâturages. Pourquoi ça s'appelle les petits Suisses? Je ne sais pas. D'accord. Ça te va ou pas? Dedans, bah, vous avez... Vous nous direz un peu. Ouais. Framboises, abricots, fraises, bananes, pêches. Les filles, généralement, elles en prennent deux et elles aiment bien prendre deux goûts différents. Voilà, c'est-à-dire que, surtout Cali, elle fait ça. Elle prend un petit peu de la banane et genre elle va mélanger avec la pêche ou avec la fraise c'est, et elle aime bien. C'est comme les malabars, ça. Voilà, exactement. Ça fait donc, longtemps. Dessus, dessus. Ouais, il est là. Donc, j'en ai pris deux paquets. Ça, c'est 1,50€ les 12. Pareil, je trouve que quand tu reviens au kilo, c'est pas forcément donné quand même. Ils sont une bonne marge parce que c'est les petits Suisses pour gamins. Il va lui mettre des blagues maintenant. Et ensuite, j'ai repris des flambis, puisque Aria, elle en a pas mal mangé la semaine dernière. Alors, tout le monde en mange, hein. Des flambis. Ouais, même Romy. Elle fait comme ça, les gars, on met sur l'assiette. Non, non, elle le copie. Arrête, dis pas ça. Aria, elle aime bien prendre une assiette à dessert, elle retourne son flambis et tout. Ça, c'est mon papa qui lui a appris. Parce qu'à chaque fois... Je pense que c'est chez mes parents qu'elle en a mangé. Oui, oui, bien sûr. À chaque fois qu'elle retourne, elle dit « Ah, c'est comme papy et mamie ». Et on a essayé les marques en dessous de Flambi. La marque pâturage, ils ne sont pas... Non, alors, en goût déjà, et je les trouve beaucoup plus fermes. Là, tu vois, le Flambi, il est vraiment flan, quoi. Les pâturages, ils sont beaucoup plus fermes et ils sont moins bons. Je trouve qu'ils ont moins de goût. Ils sont moins forts, le caramel est moins présent. Ouais, ouais. Ensuite, donc niveau yaourt, on est pas mal. Je sais pas la différence de prix. Il doit avoir 20 centimes. Ouais. Donc, bon. J'ai racheté du râpé de surimi, ça c'est pour l'apéro dînatoire de ce soir. J'ai repris du cheddar également râpé, ça c'est pour la petite recette que je vous ai parlé avec les tortillas, là, avec la viande hachée. Cheddar râpé, vous allez mettre dedans. J'ai repris un pot de crème, j'ai repris des fleurimichons le cœur mayonnaise parce que les filles elles les adorent. Et ça généralement j'aime bien en mettre 4 ou 5 sur la planche apéro, on aime bien grignoter ça. Ça c'est le surimi du feignant, clairement. Mais ils sont très bons, vraiment ils sont très très bons. Je sais qu'il existe également à l'ail et fines herbes je crois. Ah. Et il est également très bon mais je préfère la mayonnaise. Ensuite... On fera un atelier surimi râpé. Ça, on va montrer du surimi pré-râpé. Hein. Tu vas prendre du surimi, puis moi je vais râper pour voir ce que ça fait si on arrive à la même chose. Qu'est-ce que je t'aime? Moi aussi je t'aime. Qu'est-ce que tu dis des conneries, mais qu'est-ce que je t'aime? C'est pour ça que tu l'aimes. Tu dis des bêtises, mais heureusement j'en fais pas toutes les 5 minutes. Non, mais ça fait pas trop. Mais tu sais que je me retiens. Hein. Oui. Ah. Tu sais, quand je suis comme ça, c'est que je me retiens. Non, mais t'en retiens pas, lâche-toi. Si, hein. C'est ton moment là. Non, pas maintenant. Non, tu veux pas caca? Bon. Alors, attends, t'es pas prêt. Râpé. J'ai pris du râpé pour les pâtes, pour le riz, etc. Je rappelle. Non, mais à croire, on prépare nos blagues à l'enzance. Non, nous, c'est tout le monde. Ah oui, on en a parlé dans le vlog, mais non, on en reparlera, mais on prépare rien du tout, c'est du live. Hein. C'est du... On prépare, mais on en a déjà parlé de faire des lives autour de course. Ouais, mais non, avec les enfants, c'est trop compliqué. Quand il n'y a pas d'enfants, je veux bien. Quels enfants? Des enfants? Ah non, non, on n'a pas d'enfants. Donc, je disais, j'ai racheté du râpé puisqu'on n'en avait plus. Ça pour tout ce qui est pâtes, etc. Cette semaine, j'ai pas prévu de gratin. Si, j'ai prévu un gratin dauphinois. Ah bah, j'en ai parlé à Céline. Ouais, c'est son fils ne voulait pas manger de patates. Et puis du coup, il dit, bah, t'aimes pas les patates? Puis la raclette, t'aimes pas? Bah si, j'adore la raclette. Mais il y a les patates. Je lui ai dit, gratin dauphinois. Non, tu me fais un gratin dauphinois. Ah bah voilà, tu lui as donné des envies. Donc voilà, gratin dauphinois cette semaine de prévu. J'ai racheté des petits fromages, donc les tranchettes, les burgers au cheddar. Marque pâturage, ils sont très très bien. Il y avait un moment, le papier... T'as le nez qui coule ? Ah non, mais c'est désagréable, voir quelqu'un qui rouffe. Il y avait un moment, les pâturages, il y avait le papier qui semblait très mal et il y avait beaucoup de papier qui restait sur le fromage. C'était un petit peu la merdouille. Je pense que ça a dû remonter et ça y est, c'est modifié parce que franchement, c'était pas cool. Il restait toujours une petite pellicule de plastique sur le fromage. Ah, tu galérais à l'enlever, mais c'est bon, c'est réparé, donc c'est très bien.
J'ai racheté des tendres perles de Tipiak Pirate. Il faudrait... Est-ce que le prochain retour de course vient se faire un défi? On dit les marques et on essaye de sortir la musique de la pub. Oh la vache. Ah ouais. Quelques-uns, hein, parce que franchement, je regarde pas assez la télé. Mais... Tipirate. C'est bien. Bon, il y a des trucs où il n'y a pas... Fusty. Mais ouais. Je pense le truc, c'est qu'il faudrait se méfier parce que je suis sûr qu'il y a des marques qui regardent des personnes comme nous et qui prennent les idées. Tu vois, alors ce que je viens de dire pour Fusty, ça se trouve, ça va sortir dans deux mois sur la télé. T'as vu? Fusty. J'ai acheté une bouteille de Fusty. La dernière fois, je vous ai dit que je ne rachèterais pas. Alors là, je vous explique pourquoi. Je ne vais pas m'amuser à faire je ne sais pas combien de litres de thé pour l'anniversaire de Cali. Et voilà. Donc, je me suis dit, te casse pas la tête, achète une bouteille de thé. On avait des bouteilles de Coca, donc je n'en ai pas forcément racheté. J'ai acheté également une bouteille d'Oasis. Je l'ai mis au frais, j'ai oublié de la sortir. Oh non. Mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai oublié la bouteille d'Oasis, ça va. Ensuite, le Lénor, ça c'est Doudou qui va se boire ça demain. Mais non. Ah, j'ai cru que tu parlais du frigo. Alors, l'Oasis au congèle, ça va, ça craint rien. C'est le Coca qui craint. Ouais, c'est les bulles. Ouais, ouais. Ça fait juste un gros le bloc. Coca, non, le Coca, il explose. Enfin, je sais pas si dans les bouteilles, ça explose. Je ne tenterai pas. Les cadettes, je sais que ça explose. Je crois que je vais sortir une chaîne comme ça, de tous les aliments qui sont dans un congèle. Qu'est-ce que ça fait? J'en suis sûr que ça marcherait. Il y en a plein qui seraient intéressés pour regarder ça. Il y a eu beaucoup de trucs sur les trains, de trucs qui sont écrasés déjà. Ouais. Et puis il y a beaucoup de choses, de trucs que tu laisses et puis que tu filmes pendant deux mois pour voir ce que ça devient. Genre le Nutella. En attendant ce que font les mouches. Ensuite, donc j'ai racheté du Lénor. Pareil, j'en ai pris deux. Il y avait une promo, un acheté, le deuxième offert. Il n'y avait pas le doré là, que tu aimes bien. Non, il n'y en avait pas. Donc j'ai pris le bleu. Et me dit, franchement, c'est pas parce qu'on change. Il sent vraiment. Oui, il sent vraiment beaucoup. Après, c'est bien de changer aussi. Oui, parce qu'au bout d'un moment, tu t'habitues à l'odeur. Il y a ça, mais je pense aussi à tout ce qui est bestiole. C'est comme les cheveux quand tu changes de shampoing régulièrement. Faut pas garder toujours le même. Ah bah oui, sinon ton cheveu il s'habitue. Voilà, donc en tout cas, le Lénor, par contre, on en parle, Lénor? Qu'est-ce qui se passe? Regarde jusqu'à où. Pourquoi tu remplis pas jusqu'en haut? Parce que le but c'est de faire le poids, c'est pas de faire la quantité. Sinon il ferait mieux de faire. Dans ces cas-là, ils augmentent n'importe quoi. Mais c'est plus gros, du coup j'en suis sûr. Non, mais alors attends, j'en suis. Regarde. C'est ce qu'on appelle le marqué. Ting. Ah, mais regarde, c'est quoi ça? 1,035 litres. Donc ça veut dire environ 1,035 kg. Environ. Non, il va vraiment peser le Lénor. Bref, ce que je veux vous dire, c'est qu'ils mettent une bouteille plus grande et ils... Qu'est-ce que c'est que ça? Mais pourquoi les unités elles sont en ose? Ah voilà. 1102 avec le plastique. 1102, oui, bah, ça va. Au lieu de 1035. Donc t'as 70 grammes de plastique non recyclable. Si, c'est recyclable. T'es mauvaise langue. T'es sûr? J'en étais sûre. Ah bah attends, chacun son tour. Hein. Donc oui, Lénor, c'était grave. Comment je vais passer ma... Ça t'excite, c'est ça t'as dit? Oui. Non, pas du tout. Comment je vais passer de Lénor à Pago à... J'ai le nez qui me gratte. Ah bah écoute, moi je me suis mouché. Tu veux mon mouchoir? Non. Comme les grands-mères, tu sais, dans la manche. Dégueulasse. Sinon, il y en a qui me mettent là aussi, dans le soutien-gorge. Ouais, mais faisais ça dans la manche. Alors, moi, t'as toujours un mouchoir. Ah ouais, bah c'est quand très très propre. Hein. Ouais, bah, c'est bref, on peut continuer. On peut se moucher dans le t-shirt. Oh. Ou là, sur donc, chérie, on continue. Pago. Ça va, on est large, là. Il y avait une promo Pago. De acheter le troisième gratuit. Donc j'en ai pris trois. Là je vous en présente que deux. On en a ouvert un ce matin. Pago ACE. J'en ai pris deux. Et j'ai pris le multifruit également. Le multifruit est très très bon. Mais moi j'adore le ACE. Il est trop bon. Le Pago. De toute façon, ouais. Le Pago il est vraiment trop trop bon. Je trouve que ça voilà. La marque Pago en même temps. Mais c'est pas donné. Tu sais que dans les bars ça vaut 3 ou 4 balles le verre. Alors là la bouteille. La petite bouteille. Hein, donc tu sais très bien que c'est une valeur sûre. Mais c'est une valeur sûre le Pago. Il y a même pas un litre et la bouteille est à 1,25€, je crois. Et tu me dis, il y a 75, là, hein? Ouais. Donc, c'est pas donné, quand même. Oui, au moment, quand tu bois un truc, tu t'arraches pas la moitié de l'estomac, t'as pas mal au ventre. On est bien d'accord. Et t'as vraiment le goût de fruits et c'est pas du chimique. C'est toujours pareil, ça dépend quand tu bois ça. Si c'est pour le matin, quand tu te lèves, vaut mieux prendre ça qu'un truc qui arrache. Ah, bah, on est bien d'accord. Si tu prends ça à 4h d'après-midi, tu t'en fous un peu plus parce que ton corps est super chaud, ça tout va bien. Enfin, t'en fous quoi. Tu t'en fous plus. Ça, le matin, c'est bien. Pourquoi tu... C'est mieux le matin.
Ah, un truc oui. super qualitatif parce que t'as la tête dans le nez, fesses, et puis éviter de dire des bêtises. Et puis t'es pas prêt à ce que ton corps avale quelque chose. Non, mais après, moi je l'ai déjà dit, je préfère mettre un petit peu plus cher et avoir des bons trucs à boire, quoi. Ouais, le jus de fruits premier prix qui a pas de goût, qui est coupé à l'eau, etc., c'est pas. Moi je j'aime pas. Après, c'est toujours pareil, t'as les aliments que tu manges cru, nature, machin, que t'essayes de prendre plus de qualité. Puis t'en as que tu mets dans des plats mélangés avec plein de trucs où tu te dis, bah il peut être un peu moins, c'est pas gênant parce que le goût global c'est meilleur. Et encore. Ouais, enfin, je veux dire, par là, non, le budget, tu peux le lisser un peu là-dessus. Mais ça, on l'a déjà dit. Si tu prends des trucs premier prix et que tu te retrouves avec faire du tri parce qu'il y a plein de grains ou des trucs comme ça et tu jettes la moitié, ça vaut pas le coup. Autant que tu payes le prix. Ouais, ça, c'est la balance. Voilà. Ça, c'est de dire, ouais, effectivement, t'en enlèves la moitié, mais tu payes aussi cher que si tu en prenais une bonne qualité sans gras. Donc, oui, voilà, ouais. Et je pense que tu te fais avoir une seule fois. Les crevettes, c'est pas encore pareil. Voilà. Bref, on va continuer parce que là, on s'éparpille. Et en plus. C'était la minute. Non, mais regarde, il est en train de chauffer là. Mais laisse-le chauffer. Oui, mais il va s'éteindre. Oui, mais j'ai parlé de hammam tout à l'heure, donc il chauffe, c'est normal. N'importe quoi. De l'ananas en tranche, puisque je veux faire un gâteau. Une tranche, ça te branche. Je veux faire un gâteau avec de l'ananas, vous savez, ananas, le gâteau retourné à l'ananas, mais fruit je vais... Fruit de la passion. Fruit de la passion. Pardon. Quel est le rapport ? Non, mais je m'en vais. Non, mais alors, Francky Vincent, il dit même pas ananas dans sa chanson. Mais je m'en fous, ça fait partie des pays de là-bas. On ne sait pas où c'est. Les pieds de là-bas. Oui, les fruits de la passion, t'en as dans le jardin peut-être. Oh punaise. C'est bon, t'as fini? Non, je ne fais que commencer, mon amour. Donc, je disais, j'ai pris de l'ananas en tranche, on n'a plus de batterie, l'appareil est en surchauffe, tout va bien. Avance! Yo, cocotte! J'ai pris de l'ananas en tranche pour faire un gâteau renversé à l'ananas et au caramel. L'idée, c'est que je vais faire ça dans le moule de nuts. Je vais mettre l'ananas au fond, je vais couler au-dessus et ça va être trop bien. Ah oui, parce que le donut c'est un trou mieux. Bah oui. Ouais, mais si tu mets l'ananas dans le trou, c'est con. Faut le mettre autour. On passe au suivant. Allez, on fuse. Tomate concentrée. J'en ai pris 3 paquets, je vous en présente que 2. Mais tu te concentres là? Tomate concentrée. J'en ai pris 3, mais je vous en présente que 2. Mais bon. Voilà. J'ai repris des baguettes, donc l'incontournable à faire cuire au four. Voilà, j'en ai pris 4. Ça suffit, 4 pour la semaine. Généralement, ça suffit puisque j'en fais pas cuire à chaque fois. Voilà, ça suffit largement. On mange pas systématiquement du pain à table. Donc voilà, 4 pour la semaine, c'est très très bien. On va changer la batterie, on revient. Ça y est, batterie changée. En fait, rien que de changer la batterie. Je pense que c'est la batterie qui chauffe et l'appareil, là, ça lui a fait du bien, là. Hein, il était en surchauffe. Tout comme on se voit mieux, en plus. Ouais. Bah oui, parce qu'en fait, dès que c'est en surchauffe, c'est un peu flou. C'est un il dans le noir. Il réduit la luminosité 50%. Voilà. Bref, allez, on est parti. J'ai racheté du jus de fruits, donc les pressades pommes pour les filles. Il restait pas mal de oranges et de multifruits. Donc, j'en ai pas forcément racheté. J'ai racheté que du pomme. Et j'ai pris des boîtes de bonbons pour l'anniversaire de Cali. Donc les Haribo Dragolo et les qui piquent là, pour plaire au plus grand nombre. Alors ça sera pour nous demain en famille. Pour les copines de Cali, en fait, je leur ai mis des petits sachets, des petits bonbons fermés dans les petits sacs avec lesquels elles vont repartir. Et il y aura également des bonbons sur la table. Donc voilà, ça c'est pour nous demain en famille. C'est passé des enfants à nous quand même. Hein. C'est pas bon. De quoi hein? J'ai pas compris. On a passé des... C'est pour les enfants, hein, c'est pour nous. Non, pas ça. Ah non, ça c'est pour nous. Non mais pour nous demain en famille. Ah. J'en ai acheté d'autres pour les. Ah d'accord. D'accord. Je ne savais pas. Je viens de le dire. T'écoutes pas. Bah non. Bah t'aurais mieux fait de fermer ta gueule. C'est ça. Le genre du boudin. Ensuite, j'ai pris des paquets de pâtes Garofalo puisqu'il y avait une promo et vous le savez Garofalo. Les Garofalo. Garogori. Ça n'a rien à voir. Bah non, ça n'a rien à voir. Mais tu subtilises, tu m'as dit qu'il fallait chanter les marques. Alors, non, alors oui, bah alors chante les bonnes marques quand même. Mais je sais pas ce que c'est, moi. Eh ben, y a pas de. Je sais même pas s'il y a des. T'as déjà vu la marque de Garofalo, toi, passer à la télé? Je n'en regarde pas la télé. Bon, bref, bah. Quand on regarde les infos, on tombe des fois sur la pub, mais j'ai jamais. Bref, en tout cas, j'ai acheté 4 paquets de Garofalo, des pâtes différentes à chaque fois. Ici, on a des fusilli. Ici, on a des fusilones, donc le calibre au-dessus. Le calibre rictus. Quoi? Je réfléchissais à la marque. Le calibre. Et quel calibre? Le calibre. 12? Putain. Donc, fusilone.
Ensuite, j'ai pris les Limacaricata. Ouais, des tu l'as vraiment bien dit là ? Oh la vache. Limacaricata. Limacaricata. Non, ça, c'est pas le bon accent. Non, pas du tout. Mais non, pas du tout. Ah non, mais pas du tout. Alors, on va partir en Roma. Limacaricata. N'importe quoi. Si, oui. C'est dans l'italienne. Ah ouais, d'accord. Bah, tu parles comme ça en Italie, mais loin de nous hein, quand on ira, d'accord ? Ouais, bah, faut chercher. Et ensuite, j'ai pris des radiatori. Voilà, celles-ci, on les adore à la maison. Elles sont très très belles. De toute façon, les Garofalo, elles sont un petit peu plus chères, mais franchement, tu sens la différence au niveau du goût. Donc voilà, moi, généralement, je profite. Tu sens la différence au niveau du goût ? Pardon. Le goût, c'est nous. Donc voilà, je préfère acheter les Garofalo. On mange pas forcément des pâtes tout le temps. Et quand on en mange, ben voilà, on aime bien manger des bonnes pâtes. Là, il y avait une promo, comme je vous ai dit, le deuxième était à moins 60%, moins 68% aussi. En fait, c'est pas oublié, c'est des multiples. 34, 68, c'est gratuit. Ensuite, niveau fruits et légumes, avant ça, j'ai racheté du sucre de canne parce que j'en ai bientôt plus là-bas, donc il faut que je le complète. Et niveau fruits et légumes, donc qu'est-ce que j'ai pris ici? Nous avons, j'ai sorti, mais je sais pas si ça, non, pas du tout, c'était pas dans les courses d'aujourd'hui, mais bon, c'est pas bien grave. Ouais, c'est ça. Nous avons des carottes, nous avons des radis que nous allons préparer, et je vais faire des petits radis pour l'apéro ce soir. J'ai repris des pommes de terre puisque je n'en avais plus. J'ai pris des poireaux, j'ai pris des oignons, j'ai repris des courgettes. Cette semaine, je vais faire de la soupe de courgettes et je vais la congeler. Donc, je vais utiliser mes petits... Oui, attends, écoute, je vais expliquer pourquoi. Je vais utiliser mes petits moules que j'avais de la marque, je ne sais plus c'est quelle marque. Vous savez, pour faire les compartiments pour les enfants. et je vais la congeler, et comme ça, cet hiver, on pourra manger de la soupe de courgettes. D'accord, tu vas y mettre dans quoi, tu as dit? Tu sais, les ronds pour gamins, là. Des compartiments, des trucs en silicone. Tu sais, t'as un couvercle, on en a un orange, un vert et un bleu. Ah oui, les trucs tu là sais, qui pour les sont... gamins. C'est horrible à ranger ce truc-là. Ah oui, c'est horrible, c'est ça s'emboîte pas. Ça s'emboîte pas, tu peux y mettre nulle part. C'est et ça se casse la gueule tout le temps. Alors, parce que c'est tout mou. L'idée, c'est que je vais faire couler ma soupe dedans et en fait, ça va faire des palais des de soupe. C'est des gros palais, oui, ça fait des blocs. Oui, mais c'est ça. Mais là, je vais pouvoir faire une préparation pour tous les 5. Donc, je vais la congeler, comme ça, après, je la mettrai en sac congèle et on pourra consommer de la soupe de courgettes cet hiver. Tu fais des blocs, tu les congèles, après, tu les sors des trucs en silicone, tu les mets. Exactement. Petite astuce également, congeler votre courgette. Là, vous en achetez en ce moment, ils sont pas mal en train de liquider les courgettes parce qu'il y en a eu énormément et les tarifs sont vachement avantageux. Vous la coupez, vous l'épluchez, vous la coupez et vous la congelez. Et comme ça, pour cet hiver, vous pourrez vous faire de la soupe de courgettes. Parce que moi, c'est le seul petit truc que je regrette. La courgette, c'est tout l'été et après, tu peux plus manger de courgettes. Là, vous le savez, hein, on en a pas mal mangé du velouté de courgettes parce que les filles, elles adorent ça. Jardins, et elle est vraiment très très bonne. On en a plein, mais on abuse pas, on en a deux. C'est pas mal. Ah bah, c'est pas mal, deux en trois mois. Ça fait un moment. Je m'en suis occupé l'autre jour, t'as oui, non mais bien sûr, mais ça fait un moment qu'on en a fait. Elle est sortie en deux jours. Jaune, elle est jaune. Courgette jaune. Elles ont disparu. Donc, elle est jaune. Frigo. Ouais, elle est jaune. Jaune orange. Jaune. Jaune soleil. J'ai pris des champignons et j'ai pris également un chou-fleur pour faire un gratin de chou-fleur. Voilà, ça faisait pas mal de temps qu'on n'avait pas pris de chou-fleur. Donc voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Donc bœuf bourguignon pour cette semaine. On a également les tortillas et puis après c'est des petites préparations comme ça, des petites tartelettes, etc. Surtout quand je bosse le soir. Le velouté de cette semaine, je vais faire un velouté de potimarron. Soit nature, soit avec des châtaignes. C'est trop trop bon avec les châtaignes, ça donne un petit peu de goût. Donc voilà, voilà pour tout ça. Je vous ai dit le tarif de la semaine. Ben voilà, on est bon pour tout ranger maintenant. Let's go. Vous venez nous aider ? Il faut que je range mon frigo. Il faut changer. Je vais bien ranger mon frigo. Et je pense qu'il y a des chances que dans la prochaine maison, on investisse dans une chambre froide. Bah, c'est plus simple. Moi, tu rentres dedans, tu ranges tout. Non ? Ça te tente pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? De quoi ? Bah, c'est cool une chambre froide. Moi, j'aime bien. Mon frère a une chambre froide. Oui, mais ton frère, il a un restaurant. T'es pas obligé de le dire. Bah, mais si. Quand t'as un restaurant, chambre froide, ok. Quand t'as une maison, non. Deux frigos, je veux bien.
font des câlins sur le tapis. Allez, j'espère que ce petit retour de course... Tu étais... Non, t'as été excitée quand même. J'allais dire, t'es très calme. T'as été excitée, ça veut rien dire, ça. Non, mais t'étais excitée quand même. Oui, j'étais excitée. Ouais. Mais toi aussi. Bref. Parce que ça y va, hein. Ouais, ouais. On va manger tout ça. On vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau retour de course. Et à demain pour un nouveau... À la semaine prochaine. Bisous. À demain.